Bonjour, frère Maxime, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole, j'en fais dans lundi, votre chef à la maison qui entre la canou, moi dis nous merci. Hein. Merci parce que nous avons suivi et surtout pour confiance nous tout. Bon, dis nous non. Mon grand de l'eau qui là, qui ça m'a préparé pour nous aujourd'hui là, m'a préparé un V8, ok? M'a montrer nous comment vous nous faire V8. Nous capable faire en très grande quantité si on monde fait un commerce comme ça, là, en Haïti surtout, on capable faire si à fort aux jeunes marchands de soupe pour dire qu'on va venir au V8 par gallon. Et puis comme ça, ou même, ou pas la carrière, ou faites-y à fort pour Alvani. Même si vous avez deux sacs à là pour commencer, je fais avec quatre belles graines de tomates, ok? Pareil, vous les mondez. Mondez à mettre les tomates là dans l'eau chaude. Je vais quitter le sel, je vais faire 11 minutes à bouillir comme ça. Et puis après ça, je vais sortir. Tout de suite, je vais mettre dans l'eau froide. Pour me enlever pour bien facile, ok? Nous allons voir ça. Une minute a fini de couler. Regarde, nous avons un petit trace ça qui est enlevé sous l'IA. Ça veut dire ça. Et tout m'attaque tout gain pour continuer. Mais ou même, lorsqu'on fait la carrière, on a fait petit trace. Et puis qu'on a après tout est enlevé comme ça. Et puis moi, je mets le dans de l'eau froide avec de la glace. Comme fini de tirer là, je vais le montrer. Mettez ça là pour nous voir, ok? Qu'on a là, je vais finir quitter le bien refroidi. Moi pour lever poids et puis m'a retirer pépin autour, m'a retirer le maximum de pépins et puis moi continuer pour monter. Quand y a là me retirer pour yo. Quand y a là me retirer maximum de graines yo. Moi fini retirer graines yo et puis moi prend chair. Moi déposer au dans yon bol. Après ça nous va le ça moi faire continuer pour se dire. La petite tête ça lui-même, retirez-le. Et voilà. En un mot, qui ça me fait? Moi, je fais ça. Retirez le pépin, graine. Et puis, je dépose dans une chaudière. Et puis, nous allons venir avec vous. Maintenant, là, je mets dans une tasse. Quand là, je vais passer un petit girafe là-dedans. Pas mettre ni de l'eau ni rien là-dedans. Quand on a la main fait avec petit girafe là, si toutefois ou même on va gagner petit girafe là, on va faire dans un blender. On va venir mélanger nous, c'est ça fait me faire comme ça pour nous. Pour nous capable de passer, moi veux tout ça me fait nous doit capable faire. OK? Quand on a là, main j'ai tomate moi là, on va continuer encore. On va commencer faire V8 là pour nous. Et pas parce que nous avons deux choses ça ou là. Ça veut dire la peine possible pour nous si nous ne pouvons pas procéder. Je vais expliquer nous, ok? Là, je viens avec ça pour montrer nous quels légumes j'ai besoin. J'ai besoin d'épinards, j'ai besoin de carottes, j'ai besoin de céleri, l'ail, radis, oignon rouge et puis betterave, ok? Qu'on a là, je vais utiliser après ça en bas recette là. Si vous regardez cette vidéo ça sur ordinateur, dès qu'on ouvre la vidéo, vous supposez ouais. Tout ingrédient ou paraît en bas. OK? Si c'est sous portable tandel ou en bas vidéo ou un petit bouton à droite ou qui un petit flèche descend ou appuyer sous droite jeune recette, OK? Pour me commencer, premier ça me fait moi prends bébé épinard là, moi déposer dans blender là et puis moi prends moitié dans petit tomate broyé me gagne, moi déposer là-dedans. Et puis moi pour le mixer lui-même. Ok, une fois que moi j'ai moitié tomate et avec épinard là qui bien écrasé, pas oublier dans le blender faut quitter épinard là aller longtemps. Qu'on a la venu avec reste légumes yo. N'a même gien appareil ça ni même ni pas faire jus légumes pour moi. Ou même si toutefois pas gien appareil ça bam qui ça dire, ou pas mettre de l'eau là. Ou prendre grage, ou grager toutes légumes moi sur là et puis qu'on a pour peser pour prendre jus sans de l'eau. Qu'on a ou même si toutefois l'on fin grager ou gen la misère pour prendre juya qu'on a une série de serviettes ou capable prendre ou on déposer là-dedans et puis qu'on a tant qu'on tordre tant qu'on peser le temps que juya tombe et mais c'est comme ça pour faire bon moi même son l'autre procédé m'a fait parce que machine ça il fait pour ça même OK on a voilà parti et puis là mettez-en
Et moi mette yon tête là. J'ai tout légumes ça au vin là. Pour nous là moi-même, moi pas venir faire fini avec des plats pour nous. Pas oublier là t'as moitié tomate et puis épinard. Pour nous là, moi venir avec jus tout jus de légumes là, moi mettez là-dedans. Moi venir avec reste tomate là. Moi mettez là-dedans. Qu'on a dans petit bol ça, dans pot ça. Dans pot ça qu'on a mettre un petit de l'eau, moi passer là-dedans. Qu'on a là, moi va l'assaisonner. Pour m'assaisonner, moi juste mettre un petit sel de mer et puis mettre un petit poivre. C'est tout. Et puis qu'on a là, on va quitter reste pour ces yeux la fête et voilà. C'est prêt là, moi quitte le rouler pendant au moins une quinzaine de minutes, ok? Qu'on a nous regarder. Waouh, c'est parfait ça. Meni, mes résultats, ok? Vite, maison. Meni. C'est parfait ça. C'est excellent, ok? On regarde où est notre jambon bien épais. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin de et pas même avec industriel là. C'est un V8 maison fait pour nous. Qu'on a nous même ça nous qu'a fait si toutefois nous a fait nous devons mettre un petit de l'eau la canon. La recette ne fait pas nous pas de quantité exacte. Qu'on a mappé écrit quantité et c'est très important pour nous lire en bas, OK? Et si ça me fait arriver nous grande quantité, ma bonne quantité exacte. Généralement ça que nous devons connaître, nous devons gagner 75% de tomate et puis tout reste pour donner 25%. Deuxièmement, les noix faites, il faut nous avoir des tomates qui sont bien mûres. Ok? Ça, c'est deux choses très importantes. Qu'on amène devant nous là. Moi, j'ai juste resté pour me goûter, pour nous voir. C'est une V8 maison. Hein? C'est parfait. C'est vraiment y a un bon V8 là. Mais goût là, c'est parfait, c'est excellent. Ok? Moi, suggérez-nous pour nous faire de la canne. Et puis après ça, mettez des commentaires pour moi. Mandez-nous pour nous partager la vidéo. Ça va être autant de personnes. En Haïti, qui a fait petit commerce, toujours a utilisé V8, mon cap fait machin de soupe. Il a fait tout petit bail V8 à la cale ici, très très bon. C'est sûr que durée de conservation, ce n'est pas la même chose. Hein? Il n'y a pas qu'à durer longtemps. Là. Ça, c'est un bagage qui a duré maximum 5-6 jours. Là. Parce que un bagage de conservation, rien là-dedans, c'est tomate liée. Tomate la poêle surie bien vite après 4-5 jours. La surie, ok? C'était JFL Cuisine Créole. J'ai fait donner des photos.